Oui, je continue donc le même tirage parce que figurez-vous que mon smartphone m'a joué un tour. Comme j'avais pas enlevé la précédente vidéo, elle était restée en mémoire et il a très peu de mémoire. Donc au bout de 9 minutes à peu près, ça m'a coupé abruptement dans mon propos. Je trouve que bon, c'est un petit peu, c'est pas agréable, hein. Donc je fais une conclusion. Sur le tirage concernant Brigitte Macron, c'est une femme qui perdra le pouvoir et le perdra de façon violente et abrupte. Hein, je ne peux pas m'empêcher de penser à une souveraine déchue, hein, qui tombe de haut. Hein, la Maison Dieu, ça fait tomber de haut. Il y a deux personnages qui tombent, hein, donc ils sont tous les deux. Et c'est frappé, c'est la tête, hein, c'est la couronne qui tombe. Donc une fois de plus, la Maison Dieu sort systématiquement sur les Macron, hein, sur lui. Mais aussi sur elle. Donc on peut penser à un destin partagé, un destin commun. Voilà, cette femme, eh ben, elle voulait être Sissi impératrice, elle pensait que c'était le lit de rose, ce genre de choses. Eh ben non, 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 le pouvoir, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est pas quelque chose dont on se sort indemne, hein, on doit être à la hauteur. Eh ben, ça, elle l'apprendra, ses dépens. Hein. Alors, elle va rester comme ça. Ça va quand même rester un certain temps. Hein. C'est pas tout de suite, hein, la Maison Dieu et tout ça. Et là, donc, là, on arrive vraiment sur une conclusion qui est très forte. Hein. Donc, ça, on va être en flottement comme ça pendant un certain temps. On va être à une lente descente, hein, une lente réalisation du danger de la situation. Hein. Donc, elle va être de moins en moins tranquille. Et puis, on va finir, eh ben, par une espèce de chute finale, hein, qui sera vraiment, comme je le disais, sans appel. Voilà, je reviendrai très vite vers vous avec d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.